Eh bien salut à tous les amis, c'est GGR, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui d'ouverture de cartes Pokémon. Comme vous pouvez le voir, on va aujourd'hui ouvrir le coffret de Pikachu V. Voilà. Donc franchement, très très beau coffret. Une nouvelle carte promo qui va s'ajouter à mon classeur Pikachu. Donc rien que pour ça, je suis content. Et puis on peut voir derrière qu'il y a du Star Étincelante. Alors ça franchement, c'est la série vraiment incroyable du moment que moi perso, j'aime beaucoup. Donc on va ouvrir ce coffret et on va découvrir ce qu'on va avoir. Donc c'est bon les amis, j'ai ouvert mon coffret. Donc il y a une carte de Mimiki holographique. Et c'est pas une promo parce qu'on peut voir qu'il y a le symbole ici. Je ne sais plus du tout c'est de quelle série, je mettrais peut-être une incrustation parce que là je vois plus du tout ce que c'est. Mais du coup c'est une carte holo qui sera disponible que dans ce coffret là. Voilà. Donc bah du coup si vous la voulez, bah il va falloir vous procurer ce coffret. La carte promo du Pikachu V, voilà. Donc qui ira directement dans mon classeur. Donc si ça vous intéresse que je vous montre un jour une vidéo spéciale de mon classeur Pikachu, bah dites-moi en commentaire, ça peut être sympa. Et la même en Jumbo, voilà. Donc le Pikachu V. Le code online du coffret, voilà, donc ça c'est pour vous. Et les 4 boosters, alors on a du Point de Fusion, Ténèbres Embrasées et 2 Stars Étincelantes. Ça franchement c'est super cool du Star Étincelante. Et puis, il y a un Dracaufeu, Booster Dracaufeu. Est-ce qu'il va nous porter chance? Bon, on va voir ça à la fin, puisqu'on va finir par les stars étincelantes. On va commencer par le point de fusion. Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'on va avoir une bonne pioche dans ce coffret? En ce moment, j'ai pas mal de chance. Ça dépend. Donc, on va voir si on va avoir un bon tirage. Allez, premier booster avec une énergie acier, flotte tout temps, crise acier. Passe de combat VIP, Lixie, Escargome, Rototop, Sapero, Gobou. Premier river de la vidéo, c'est une peu commune, c'est Crocodile et on va finir par une simple rare qui est Corvallus en rare. Ok, donc on commence doucement pour ce premier booster, voilà, avec ouais, point de fusion. De toute façon, point de fusion, j'en ai ouvert pas mal, donc ça me dérange pas trop. Deuxième booster avec Ténèbres Embrasées, donc ça c'est cool. Parce qu'il me manque beaucoup de cartes dans cette série de Ténèbres Embrasées, donc si peu de boosters que j'ouvre, et ben, c'est toujours ça de prix. Hop. Allez, deuxième booster. Énergie Nuit. C'est les rocs et flèches, forêt de Limirinthe, Insolourdo, Dynavolt, Monsieur Mime de Galar, Tanmorve, Tic. Deuxième reverse, c'est une commune reverse, Paras, et on n'a rien. On a un simple Pyrax en rare. Ok, bon. Donc pour l'instant, on n'a rien, c'est pas ouf. Hein. Et puis, bah déjà, les deux derniers boosters des stars étincelantes. Allez, on croise les doigts, j'espère avoir quelque chose quand même. Alors déjà, code blanc ou code noir, 1, 2, 3. Bon, ok. Code blanc. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une TG, donc pourquoi pas. Alors, énergie, eau, encouragement de la team Yel, Pachmila, gants purifiants, Tic, Deden, Polarum, Skelenox, Canartichot. On n'aura pas de TG, malheureusement. On a un étourmi en reverse, en commune reverse. Et on a un lance-argo en simple rare. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Franchement, pour l'instant, on n'a pas du tout de chance du tout. Et il nous reste déjà plus qu'un booster. Le booster ultime Dracaufeu. Allez, j'espère avoir au moins une petite ultra. Ça serait quand même sympa. Allez, on croise les doigts, justement. Alors, attention. Code blanc, code noir. 1, 2, 3... Ah, oh, ça pue ça. À mon avis, on n'aura rien pour ce dernier booster. Ah, énergie feu dans un booster Dracaufeu. Bon, est-ce que ça peut présager quelque chose? Pachirisu, Saltimbanque, Hyperbole, Gringolem, Eoko, Wistikram. On a pas mal de types feu, n'empêche. Chachidou, Balbuto. Bon bah on a une peu commune reverse qui est Primplouf et dernière chance pour peut-être avoir quelque chose mais à mon avis j'y crois pas du tout, et ben non. On a un Maganon en rare. Bon bah voilà, bah on a ouvert nos 4 boosters, malheureusement on n'a rien eu du tout, c'est très dommage.
Je comptais beaucoup sur Star Island pour peut-être avoir quelque chose, mais du coup, on n'a rien eu. Le récap, il va être très rapide, vous l'avez sous les yeux. En ultra, on n'a que les promos hein, de Pikachu. Et sinon, que dalle. C'est vraiment dommage, mais c'est le jeu, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça a été très court, hein. Du coup, on n'avait qu'un seul coffret à ouvrir, on n'avait que 4 boosters. Mettez quand même un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve dans une prochaine ouverture de cartes Pokémon. Allez, ciao!